management majeur dans ce service et je crois que c'est une sage décision pour qu'un audit détermine les dysfonctionnements et que ce service où les fonctionnaires font leur travail tous les jours avec beaucoup de zèle puissent retrouver ces lettres de noblesse. Un nouveau patron de la police des jeux sera bientôt nommé et la réglementation du service sera redéfinie avant la fin du premier trimestre 2014. Braqueur des champs, braqueur des villes, après la bijouterie de Cézanne il y a une dizaine de jours, nous voici revenus au cœur du luxe chez Audemars Piguet, rue Saint-Honoré à Paris, à deux pas de la place Vendôme. Plusieurs individus armés se sont fait remettre des montres cet après-midi. Le préjudice pourrait atteindre 800 000 euros. À l'approche de Noël, la police apparaît-il relancer son plan anti-braquage qui apparemment ne connaît pas 100% de réussite. Plusieurs syndicats appelaient une nouvelle fois aujourd'hui à la grève contre les rythmes scolaires. Moins de 2 enseignants sur 10 ont suivi le mouvement selon le ministère, plus de 4 sur 10 selon le SNUIPP. Il semble tout de même que la grève ait été moins suivie que la dernière fois. En cette période de Noël, les jouets sont sous haute surveillance. On n'est jamais à l'abri d'une peluche défectueuse ou d'une absorption de plomb dans une voiture. Comme chaque année, les agents de la direction de la concurrence de la consommation sont à pied d'œuvre pour intensifier leur contrôle sur les produits liés aux fêtes. Cela dit, la proportion de jouets non conformes ou dangereux est en baisse continuelle depuis 6 ans. C'est ce message qu'a voulu faire passer Benoît Hamon, le ministre délégué à la consommation, en se rendant ce matin dans le 13e arrondissement à Paris, dans un grand magasin de jouets qui a un nom anglais, Solène Noël. Belton. Oui. Belton. Oui, qu'est-ce que je parle? Non, j'ai dit Belton. Oh putain, un accident, attention, un accident. Un accident, oh putain, nom des dieux, c'est pas possible ça, putain. Ouais, mais c'est grave ça en plus. Putain, quoi? Juste à la sortie, à l'entrée de l'autoroute, ça vient juste de se faire, mon dieu. Bah, j'aurais pas parlé de la carte alors. Ouais, c'est mieux, ouais.